d'Orne sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La CEAC se réjouit du processus électoral au Burundi. L'organisation évoque un déroulement pacifique des élections générales du 20 mai, malgré les appréhensions de la communauté internationale. Au Libéria, l'opposition refuse le report des élections de mi-mandat. Un report demandé par le président George Weah en raison d'un retard accumulé par la Commission électorale nationale dans l'organisation du scrutin. Et enfin, l'Afrique du Sud menacée par une hausse record du taux de chômage. Selon les prévisions du gouvernement, le taux pourrait dépasser les 50%. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, la révision des listes électorales a été fixée du 10 au 24 juin prochain. Une annonce confirmée par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres ce mercredi 27 mai. L'État précise qu'à cet effet, je cite, « environ 11 000 centres d'enrôlement seront ouverts pour permettre aux requérants d'être le plus proche possible de leur lieu d'inscription sur la liste électorale ». Compte tenu du contexte de crise sanitaire, la commission électorale indépendante offre également la possibilité aux électeurs de procéder au changement du lieu de vote en ligne. Ce calendrier est en revanche rejeté par plusieurs partis d'opposition, dont le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Malgré les appréhensions de la communauté internationale, le triple scrutin au Burundi s'est déroulé dans le calme. Un climat dont s'est réjouie la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui évoque un déroulement pacifique de ces élections dans le respect du calendrier électoral. Dans un communiqué, le secrétariat général de la CEAC rappelle qu'une mission avait été déployée au mois de mars dans le pays en vue d'évaluer la situation préélectorale. Corinne Kamzefem. Après la publication des premiers résultats du triple scrutin présidentiel, législatif et communal qui s'est tenu le 20 mai au Burundi, les membres de la communauté économique de l'Afrique centrale et de la communauté est-africaine félicitent ce processus électoral qui a conduit Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir et ancien général, à la tête du pays. Il succède à Pierre Nkurunziza avec un score de 87,8%. La participation de 87,8% au processus témoigne de la volonté du peuple burundais de participer à la détermination de son avenir politique qui est essentiel à une paix, une sécurité et une stabilité durable. Cependant, dès l'annonce de ses premiers résultats, l'Église catholique, dans une déclaration, a fait état de nombreuses irrégularités constatées pendant le vote. Par ailleurs, le candidat du Conseil national de la liberté, principal parti d'opposition, arrivé deuxième avec 24,19%, rejette les résultats et accuse le parti au pouvoir de fraude. Il envisage des recours. Et dans la plupart des pays, la CENI est proche des partis au pouvoir. La CENI est du côté de la force coercitive, donc de l'État, ce qui est le cas du Burundi. Donc on annonce vite des résultats, on se fait féliciter par d'abord ses amis, l'opposition conteste, mais tout le monde sait au niveau des diplomaties à l'international que quand on n'est pas en face d'un grand rapport de force, ça passe. En général, les résultats annoncés passent malgré les contestations des oppositions. Après une campagne électorale tendue, campagne au cours de laquelle plusieurs acteurs de la société civile disent avoir noté des tensions qui ont parfois conduit à des arrestations arbitraires et assassinats, l'opinion internationale avait craint des violences pendant et après le vote. Pour l'heure, outre les recours en attente, le nouveau président Ndayishimiye devrait prêter serment pour un mandat de 7 ans fin août à la fin du mandat du président Nkurunziza. Deux mois après les affrontements de Nzéré-Corée, les autorités guinéennes reconnaissent pour la première fois le bilan humain évalué à 30 morts. Le 22 mars dernier, alors que les Guinéens étaient appelés à se rendre aux urnes pour le double scrutin, des violents heurts ont éclaté à travers le pays. Des violences qui ont également fait 77 blessés et incendié des dizaines de maisons, selon le bilan établi par le procureur général de Cancan, Yaya Kaira Bakaba. La justice estime toujours que le Front national pour la défense de la Constitution est à l'origine de ces heurts. Le FNDC, qui est opposé à l'idée que le président Alpha Condé brigue un troisième mandat. De son côté, Ibrahima Diallo, un responsable du FNDC, dénonce une manœuvre visant à, je cite, « faire porter la responsabilité des tueries au mouvement ».
La coalition des partis d'opposition du Liberia rejette le report des élections de mi-mandat. Selon le calendrier imposé par la constitution du pays, les élections de mi-mandat doivent avoir lieu en octobre 2020. Mais le président George Weah a demandé aux législateurs un report de cette date. Et pour cause, le retard accumulé par la commission électorale nationale dans l'organisation du scrutin en raison de la pandémie de coronavirus. Nathalie Mou. Non au report des élections au Liberia. Cette réaction de la coalition des partis d'opposition du Liberia, le Collaborating Political Parties, répond à la demande de report de l'élection de mi-mandat adressée au Parlement par le président George Weah. Le scrutin est prévu en octobre 2020 et ne peut être prorogé au-delà du mois de décembre. Le Collaborating Political Parties n'acceptera pas l'élection à une date ultérieure au 25 décembre 2020. Pour être juste et raisonnable, nous pouvons accepter un léger retard à cause du coronavirus, comme c'était le cas durant l'épidémie du virus Ebola en 2014. Mais en aucun cas, nous n'accepterons que l'élection dépasse décembre 2020. Selon le chef d'État libérien, le report se justifie par le retard observé pour la préparation des élections de mi-mandat accusées par la Commission électorale nationale. Pourtant, le 25 mai 2020, le ministère des Finances a annoncé le déblocage prochain d'une enveloppe $1 million en faveur de l'organe électoral. Le fonds est un préalable pour l'organisation de ces élections, mais ne saurait garantir le bon déroulement de celles-ci. Voyez-vous, la pandémie du coronavirus s'est invitée dans l'agenda politique des États et le Libéria est confronté aux affres de cette pandémie. Il va falloir s'assurer de la sécurité sanitaire de l'ensemble de la population. En 2014, à la suite de l'épidémie d'Ebola, l'irlandaise présidente Ellen Johnson Sirleaf a déclaré l'état d'urgence qui a été approuvé par l'Assemblée législative. Une décision qui avait alors conduit à la suspension des élections sénatoriales spéciales dans le pays. Le commerce transfrontalier ouest-africain subit les foudres du Covid-19. La mise en place de mesures restrictives rend la livraison de marchandises difficile. Une situation qui pousse l'ONU à tirer la sonnette d'alarme. L'organisation internationale estime en effet que 43 millions de personnes risquent de se retrouver en situation d'insécurité alimentaire. Ange Bijounomenyo. Le commerce transfrontalier peine à décoller en Afrique de l'Ouest. Avec les mesures de restriction dues au Covid-19, il est de plus en plus difficile d'assurer les livraisons des marchandises. Selon l'ONU, 43 millions de personnes risquent de se retrouver en situation d'insécurité alimentaire si la pression persiste. C'est vrai que le commerce transfrontalier va certainement être plus intéressant parce que ce sera un peu libéralisé. C'est une zone non tarifaire. Quand nous allons sortir du coronavirus ou bien quand nous serons habitués à vivre avec le coronavirus, nous rentrons directement dans une crise économique. Mais il nous faut trouver des produits de substitution qui nous permettent, n'est-ce pas, d'échanger entre nous. C'est-à-dire que chaque pays doit pouvoir déterminer ses points forts, insister dessus pour que ce commerce-là L'impact du Covid-19 sur le commerce transfrontalier se fait ressentir à plus forte raison sur les produits périssables. Selon plusieurs études, les commerçants ouest-africains de produits périssables et de bétail ont subi des pertes de 10% à 30% depuis l'entrée en vigueur des restrictions sanitaires. Le transport des marchandises est perturbé par la fermeture des marchés et une hausse illégale des taxes au point de contrôle. Il faudrait que nous essayions de combler le déficit parce qu'en réalité, l'Afrique a raté, n'est-ce pas, le tournant d'entrée dans les chaînes de valeur. Nous avons eu beaucoup de retard dans la transformation culturelle de notre économie. Fin 2019, 73 millions de personnes étaient déjà en insécurité alimentaire en Afrique. Ce chiffre pourrait bien augmenter selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. En Afrique du Sud, le gouvernement craint une hausse vertigineuse du taux de chômage. L'État estime en effet qu'il pourrait atteindre plus de 50% en raison de l'impact économique du coronavirus sur les entreprises. La ministre de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles, Nkosazana Dlamini Zuma, a également indiqué que le secteur touristique risque d'enregistrer le plus fort taux de perte d'emplois. Entre 555 000 et 600 000 emplois sont en effet menacés. C'est Nathalie Mou.
en passe d'évoluer vers la phase 3 de la pandémie de COVID-19, l'Afrique du Sud pourrait voir son taux de chômage atteindre 50%. Pour cause, le président Cyril Ramaphosa préconise le prolongement du confinement du pays avait pour conséquence directe la contraction de l'activité économique. Notre économie a décliné non seulement à cause du confinement, mais parce que nous avons été rétrogradés et que nous avons environ 1 000 000 d'entreprises dont les employés ont demandé des fonds d'assurance au chômage. Le secteur du tourisme en particulier sera le plus durement touché car nous avons fermé les frontières. Certaines entreprises ne survivront pas et les ménages vulnérables ont perdu beaucoup de revenus. L'industrie du tourisme à elle seule pourrait perdre entre 550 000 et 600 000 emplois en 2020. Seuls 30% des entreprises peuvent survivre moins d'un mois sans aucun chiffre d'affaires, selon la ministre Kosazana Dlamini Zuma. Seuls des investissements massifs en direction des entreprises, des petites et moyennes entreprises, des indépendants et même des employés peuvent atténuer la crise économique subséquente à cette crise sanitaire. Ainsi, il faut envisager de surseoir à une partie importante du service de la dette extérieure, par exemple, la dette bilatérale et multilatérale, ainsi qu'à une partie également ou à la totalité du service de la dette intérieure. Le gouvernement sud-africain a décidé d'adopter une approche à deux volets pour faire face au coronavirus, le contrôle du taux d'infection et l'état de préparation du système de santé. Sauf que les difficultés économiques lèvent de plus en plus de contestations au sein de la population. Bras de fer entre le gouvernement camerounais et l'Église catholique. Alors que les autorités camerounaises ont décidé de fixer la date de la rentrée au 1er juin 2020, l'Église s'y oppose en raison de la multiplication des cas de Covid-19. Dans un communiqué publié ce 25 mai, l'Église catholique a décidé de reporter la date de la rentrée, mais seulement pour quelques-uns de ses établissements. Corinne Kamzefem. Au Cameroun, les élèves des établissements confessionnels catholiques reprendront le chemin de l'école ce 1er juin, conformément à la décision du gouvernement. Un communiqué de l'Église catholique publié en date du 25 mai avait laissé planer un doute sur la reprise des cours dans ces établissements dans un contexte de crise sanitaire généralisée. Toutefois, selon les responsables, la mesure du report évoquée dans ledit communiqué ne concerne que certains de ces établissements. En date du lundi 25 mai, les évêques de la province ecclésiastique de Douala ont sorti une note qui renvoie la rentrée scolaire à une date ultérieure, ce qui concerne les grands séminaires de philosophie de Bafoussam, de spiritualité de Manga et de théologie de Douala. En effet, des responsables de partis politiques et certains membres du syndicat national des enseignants avaient plaidé pour un report de la rentrée fixée au 1er juin où l'organisation les examens et concours officiels sur la base du taux de couverture actuel des programmes. Des appels pris en compte par le gouvernement mais qui n'ont pas changé le calendrier. Les responsables d'établissements sont ainsi tenus de garantir au maximum la sécurité aux apprenants et enseignants. L'idée a précisé qu'il fallait désinfecter effectivement tous les campus des établissements et que deux hôpitaux sont mis à la disposition des enseignants et des élèves au cas où il y aurait un cas. Plus précisément, l'hôpital catholique Saint-Albert-le-Grand de Bonabéry et l'hôpital catholique de Barcelone. En effet, les statistiques sur les cas de coronavirus à ce jour font état de 5436 cas confirmés avec plus de 1800 guérisons mais aussi plus de 160 décès. Des chiffres qui, selon les autorités sanitaires camerounaises, traduisent une multiplication des cas positifs par une accélération de la transmission du virus du fait des comportements irresponsables. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.